T'arrêtes de regarder des mecs, franchement, sur les réseaux. Ah, tu veux savoir, je le regarde moi-même. Ah, carrément. Je regarde mon TikTok. Ah, tu t'auto-regardes. Ouais. N'importe quoi. Non, mais t'abuses. Serais-tu narcissique? Peut-être. Quand il se regarde pas dans le miroir, il se regarde sur son téléphone. Ouais, écoute. T'as raison, admire-toi. En train de faire les valises, regardez, on a partout, on a déjà 5 valises, il y a encore tous les habits de ski qui sont là, les combis, je sais pas comment on va faire, et j'ai encore la valise de Milan à faire, enfin il en a 2, donc je sais pas combien on va avoir. Ah, ça te va trop trop cool. Yeah, Milan in the place. Oh, oh, oh. Nana. Nana. Tu rêves de banane. Attention, ou quoi monsieur. Vas-y. Wow. Montre. Nana. Waouh. Nana. Oh, la tétine et tout. Équipée. Magnifique. T'es en place, toi. Hein. Okay. Ouais, t'es en place, toi. Au max. Ouais. Yeah. Ça met les lunettes tout seul et tout. Doucement. Te fais pas mal, ok? Vas-y, doucement. Ouais. Yeah. Mimi. Coucou. C'est trop beau. Moi. Hi panda. On est sur un bébé qui fait quoi là? Qui sent son doudou? Ah là, c'est un bébé qui cherche le sommeil. Il a vu son petit cousin. Je peux même pas vous raconter le bonheur que c'était. Il l'a touché mais avec un doigt comme ça. Il a fait ça sur sa petite main, c'était trop mignon. Carrément les deux narines maintenant. J'ai découvert une marque pour les cheveux qui est incroyable, elle est oufissime. Je me suis lavé les cheveux hier soir. On a lissé mes cheveux, on passe les plaques, ils sont abîmés, ils sont fragilisés. Je vous jure qu'ils sont tout doux, genre ils sont brillants. Donc je vais vous montrer, je suis trop contente. Ça s'appelle Mermaid Enemy et vous savez à quel point pour moi les cheveux c'est toute ma vie, c'est trop important. Et du coup j'ai pris clairement toute la gamme. En plus regardez le packaging, il est magnifique. Donc comment ça se passe? Là, vous avez en tout premier le shampoing. Donc, c'est un shampoing qui va nettoyer. Regardez, 100% vegan, pas testé sur les animaux et que des ingrédients naturels. Donc, c'est essentiellement à base d'extrait d'avocat, mais il y a plein d'autres ingrédients à l'intérieur. Ça sent super bon, ça répare le cheveu et surtout, il va être tout doux et brillant. En plus de ça, le packaging, il le recycle. Donc, c'est éco-friendly. Les chéris, faites attention à ce que vous allez mettre sur vos cheveux, c'est très important sur le long terme, vous allez voir la différence. Là, on est vraiment sur du 100% naturel, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc la gamme, c'est Avo in Love, donc c'est la gamme réparatrice. En fait, moi, c'est de ça que j'ai besoin parce que j'ai les cheveux qui sont sollicités tous les jours, je fais des couleurs, des mèches, ensuite on fait plein de coiffures, on passe le fer à lisser, le fer à boucler. Si j'en prends pas soin, clairement mes cheveux ils poussent pas et surtout ils tombent. Donc là c'est la meilleure des gammes. Vous avez donc le shampoing qui est juste ici, il sent trop bon, il mousse, enfin
Vraiment, j'en perds mes mots parce que je suis surprise en fait de la qualité de ces produits. Vous avez le shampoing, donc vous faites un ou deux shampoings. Ensuite, vous avez le conditionneur qui est incroyable. Déjà, dès que vous allez mettre le conditionneur, ça y est, les cheveux, ils sont tout démêlés. Même aux doigts, on sent que vous démêlez les cheveux. Il y a une réparation intensive et surtout, c'est anti-fourche. Donc, vous allez gagner de la longueur. Vous savez qu'une fourche, si on la coupe pas ou si on ne la traite pas, elle continue et après, le cheveu, ben, il se casse forcément. Donc là, vraiment, on est sur une gamme réparatrice et anti-fourche. Vous avez le masque, donc vous le laissez poser 5 minutes. Déjà, au bout d'une minute, à peine vous allez l'appliquer, tout de suite, le cheveu, il change de texture et devient tout doux. Et là, pour démêler, comme je vous dis, moi, j'ai démêlé au doigt. Donc, c'est très rare. Normalement, je prends la brosse. Mais là, j'avais pratiquement pas besoin de toucher la brosse. Donc, vous avez de l'huile d'avocat. Il y a aussi de l'huile de coco, l'huile de noix de macadamia. Ça, c'est génial, c'est le leave-in. Donc, en fait, c'est un spray. Je vais vous montrer. Comme ceci, donc c'est sous forme de spray. Vous en mettez partout sur les cheveux et vous ne rincez pas. Donc, c'est en plus du masque, du conditionneur. Vous avez votre petit spray, vous en mettez sur les cheveux humides. Et après, vous n'avez pas besoin de rincer. Et ça va encore plus renforcer, en fait, l'action réparatrice, anti-fourche. Et là, bah, regardez... Franchement, je suis super contente. J'ai les cheveux qui sont tout doux et surtout qui sont disciplinés. Et ça leur a apporté de la souplesse. C'est-à-dire que là, fin, j'avais passé 2 jours dans le désert. J'avais mes cheveux qui étaient secs. J'ai testé cette gamme. Pour vous dire la vérité, ça fait 3 semaines que je l'ai reçue, mais j'attendais vraiment de la tester. Mais j'avais déjà ma petite idée. Je voyais sur l'histoire de la marque, le packaging, le fait que ce soit éco-friendly. Donc, ils recyclent tous les packagings. Vous allez voir sur le site, ils font même des super belles brosses avec les packagings recyclés en forme. Super produit, c'est fabriqué en Allemagne et je suis super contente. Donc, allez voir sur le site. Vous allez voir, il y a toute leur petite histoire, la marque et tout ça. C'est incroyable et vous allez voir que si vous adoptez cette petite routine, de toute façon, c'est comme la peau, les cheveux, il faut une routine. Donc, il vous faut des bons produits que vous allez utiliser à chaque fois. Le masque, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, vous pouvez le faire genre... une fois par semaine. Moi, je lave mes cheveux entre 2 et 3 fois par semaine, ça dépend. Beaucoup plus en ce moment. Mais même le shampoing, le fait que ce soit des ingrédients qui soient 100% naturels, vous allez voir, ça agresse pas du tout le cheveu. Et même les filles qui ont des mèches et des couleurs, ça va pas changer la couleur parce que ça décape pas en fait. Au contraire, c'est un shampoing qui est doux, qui va nettoyer mais en douceur et surtout qui va prendre soin de vos cheveux. Donc vraiment... J'ai pris un set avec tous les produits, c'est le Repairing Routine 7, vous allez le voir sur le site. Après, il y a plein d'autres produits, mais moi, il me fallait vraiment quelque chose pour rendre mes cheveux plus souples, pour les hydrater, pour qu'ils soient moins fourchus au bout et que je puisse gagner un peu plus de longueur. C'est pareil pour tout, hein. Il vous faut vraiment une routine. Le shampoing tout seul, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut vraiment faire dans l'ordre shampoing, après shampoing et masque. Et comme je vous dis, le masque, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque lavage. Vous alternez un petit peu, mais en tout cas, shampoing à shampoing. Et ça, le leave-in, c'est ce qui fait la petite différence, mais qui change tout. Vous l'appliquez un peu partout. Vous allez voir, ça va vraiment hydrater le cheveu. Ça va pas alourdir le cheveu, même si vous avez des cheveux fins. Ça va pas rendre vos racines grasses, même si c'est une gamme nourrissante. Ça aussi, c'est important. Il y a des gammes qui nourrissent le cheveu, mais au bout d'un jour, on doit se laver les cheveux parce que ben voilà, le cheveu, il devient gras parce qu'il est trop nourri ou je sais pas. En tout cas, là, pas du tout. Donc, je vous recommande ces produits à 3000%. Je suis même super contente de partager ces produits avec vous parce qu'ils sont vraiment incroyables. C'est un super plan et vous allez voir, vous allez récupérer des beaux cheveux. Voilà, je sais que les cheveux, c'est très important pour nous les femmes, même pour les hommes. Mais voilà, il faut en prendre soin et cette routine, elle est top. Du coup, je vous ai mis le lien du site. Donc, la marque s'appelle Mermaid Amy. Comme ceci. Vous allez voir, les produits sont trop bons. On sent que c'est naturel, que c'est de l'avocat. Enfin, c'est vraiment un plaisir de les utiliser. Ça aussi, c'est important. Et si ça vous intéresse, j'ai un énorme code promo. Donc, la marque m'a donné un moins 50%. Donc, sur tous les sets, vous avez moins 50. C'est vraiment le bordel. Donc là, on a déjà fait 2 valises, 3, 4, 5 et 6.
Ces collants, ils sont incroyables. J'en ai pris plein. C'est de la marque Piara. Pour aller à Paris et tout, c'est des collants polaires. Donc, ils tiennent super chaud. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ils sont fourrés, en fait. Et du coup, ils affinent la silhouette. Ça fait des trop belles jambes. Même là, enfin, ils sont gainants. Donc, au niveau de la taille, il y a tout qui est gainé. Ça aplatit le ventre. Et en plus, on est trop, trop bien dedans. Regardez comment c'est à l'intérieur. C'est tout doux, en fait. C'est polaire, mais un peu comme du plaid. Enfin, c'est hyper agréable à porter. Donc, ils sont comme ceci. Et quand vous les portez, enfin, c'est des vrais collants, quoi. Pour les collants, vous avez déjà moins 50% sur le site. Et je vous rajoute un moins 15% si vous souhaitez en commander. Par contre, il est valable que 24 heures. C'est vrai, la dernière fois, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, le code marche pas. » En fait, les codes, ils sont activés pendant 24 heures. Et après, ben, ils se désactivent automatiquement. Donc, si vous souhaitez, que j'aime beaucoup mettre des robes pulls l'hiver avec une paire de hugs ou une paire de bottes. Quand je veux mettre des robes, même pour sortir, là, on est obligé de mettre des collants parce que voilà, il fait froid. Et ceux-là, ils sont canons parce qu'ils sont gainants et ils tiennent chaud. C'est vrai que la plupart des collants, il y en a, ils sont très beaux, mais comme ils sont fins, bah, on a tout de suite froid. Alors que là, pas du tout. Paul, il dit que je me suis habillée en polaire pour sortir. En fait, j'ai trop faim et j'ai la flemme de me changer, donc je sors avec mes collants. Mais le soir, il fait frais quand même, hein. Ah oui, il fait froid là. Ça sort les pulls et tout. Moi, je suis en jupe. Lui, il a mis une jupe. C'est une jupe. C'est un kilt. C'est un short, genre. C'est un fou.